Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Army. Aujourd'hui, je vous retrouve avec le M4A3A8 Sherman, autrement appelé Easy 8. Donc, ce Sherman, c'est le premier modèle que j'ai réalisé. Donc, je débute dans le modélisme et l'objectif, c'est de vous partager les différentes difficultés que j'ai pu rencontrer, les petites astuces à savoir au niveau des outils qu'il faut avoir et notamment des peintures qui sera la partie suivante. Et voilà, l'objectif c'est de vous montrer un petit peu à quoi ressemble la boîte. Alors j'ai déjà réalisé le modèle, donc je ne vais pas rentrer beaucoup en détail sur la boîte, etc. Mais je vous en parlais un tout petit peu, notamment la réalisation des chenilles, qui sont des chenilles et des roulements mécaniques. Donc ils sont vraiment flexibles et vous pouvez vraiment les bouger en fait. Vous pouvez les mettre dans les positions que vous voulez. Et différentes variantes aussi, que ce soit au niveau du canon, de la bâche, au niveau des ouvertures, vous pouvez vraiment exposer ensuite votre modèle suivant vos préférences. Donc au niveau de la boîte, donc sur ce refill modèle, il y a un peu plus de 1000 pièces plastiques. Donc on est sur un plastique beige principalement. Et en termes de rendu final, refill modèle nous propose deux rendus. Le premier, c'est celui du 68e Tank Bataillon de l'US Army. Donc c'est un verre US Olive Drab simple, pas de grosses difficultés ici, avec quelques décalcomanies. Et l'autre variante, c'est celui de la 12e Division Armée, toujours de l'US Army. C'est également la variante que vous pouvez voir dans le film Fury avec Brad Pitt. Là par contre, ça vous demande un peu plus d'expérience sur la réalisation du camouflage, notamment si vous avez un aérographe. Il s'avère que j'en avais un, mais je suis resté assez sage et je me suis concentré sur déjà une peinture des plus simples pour la réalisation de ce premier tank. Encore une fois, c'est mon premier modèle, donc je suis pas du tout un professionnel. Je débute et donc voilà, vous avez deux variantes possibles. Au niveau du manuel, c'est très détaillé. Honnêtement, Refill fait un super boulot. Ils vous disent exactement quand est-ce qu'il faut mettre ou pas de la colle. Quand est-ce qu'il faut plier certaines parties, quand est-ce qu'il faut percer, ça c'est très important. Des fois on n'y pense pas, peut-être si vous débutez ça peut vous bloquer, en tout cas au démarrage, mais il vous faut absolument ce type de mini visseuse. Donc c'est comme une visseuse classique, c'est juste qu'elle est manuelle. Alors il existe aussi des versions électriques, mais celle-là suffit, et vous avez plusieurs petits forêts de plusieurs tailles. Et donc ici dans ce modèle là on vous demande de percer deux trous au niveau de la structure avant pour pouvoir insérer une pièce. Donc c'est important d'avoir ça en tête parce que sans ça vous êtes vraiment embêté et vous risquez de faire quelques bêtises. Donc au niveau du manuel, comme je disais, c'est très détaillé. Il y a quelques explications qui peuvent des fois être en chinois, mais elles sont très rares. Le reste, c'est vraiment les numéros des pièces. On vous traduit en anglais ce que vous pouvez faire en termes de variantes. C'est vraiment bien fait. Donc pour le canon, vous avez deux possibilités, avec ou sans la bâche. Il s'avère que moi, je suis parti avec la version sans la bâche. Et finalement, j'ai changé d'avis. Et j'ai réussi à appliquer la bâche sur le canon qui était prévu sans. Parce qu'il y a différentes encoches qui sont prévues à cet effet. Et en manipulant et en modifiant en fait la bâche, j'ai réussi à la mettre dessus. Je vais vous montrer juste après le résultat. Voilà, vous avez plusieurs variantes, notamment au niveau des ouvertures du char. Tout ce qui est armes sur le dessus sont pareil, elles sont dynamiques. Donc vous pouvez les mettre dans le sens que vous voulez. Difficulté importante, les photos découpe. Quand on débute, c'est une partie qui est vraiment complexe à maîtriser, surtout sur un premier essai, et notamment au niveau du collage. Donc, moi j'ai utilisé de la glue en gel, ce qui est bien, certains l'utilisent, mais vous pouvez aussi utiliser de la colle 21 qui est vraiment prévue à cet effet. J'ai pas encore testé, et je le testerai sur mon prochain modèle. En tout cas, voilà, prenez votre temps sur les photos découpe. C'est beaucoup de patience, elles sont très très petites, il doit m'en rester ici. Voilà la taille des photos découpe. Au début elles sont à plat et vous devez en fait donner une forme bien spécifique, telle que montrée en fait sur le manuel. Sauf que c'est pas si simple que ça, et certaines notamment sont en plusieurs parties,
Donc vous avez trois photos découpes que vous devez coller ensemble. Et je vous assure, en tant que débutant, c'est vraiment pas le type de modèle sur lequel je vous dirigerai. Chez Tamiya, ils font également le Easy 8, un peu plus simple avec des parties en plastique pour les phares avant. Je vous conseillerais plus ce type de modèle si vous démarrez. Voilà, après, si vous voulez vous donner ça en challenge, il n'y a aucun souci. Au niveau des chenilles, détail important, c'est très très long. Ici, on est sur des chenilles qui sont vraiment souples. Donc, vous devez les construire maillon par maillon. Chez d'autres modèles, notamment chez Tamiya, vous pouvez avoir des modèles où les chenilles sont en trois parties. Vous pouvez avoir le dessus et le dessous en deux parties. Des fois, c'est des chenilles en caoutchouc aussi. Mais voilà, le réalisme n'est pas le même. Le plaisir aussi de le construire n'est pas du tout le même non plus. Et voilà, vous devez assembler 76 pièces. Et ces 76 pièces se forment par bloc. Donc vous avez pour ça un guide pour le faire. Vous posez chaque maillon dessus ce genre de patron. Et vous l'emboîtez avec celui-ci. Et ça vous permet de faire des groupes. Voilà. Des groupes comme ça que vous allez ensuite mettre les uns à la suite des autres. Si vous réalisez ce modèle ou d'autres qui sont similaires, faites très attention, notamment aux détails des maillons, puisque à l'extérieur, il faudra avoir le côté creux des espèces de boulons là, et à l'intérieur de vos chenilles, le côté plat. Et je vous assure, quand vous emboîtez les différentes pièces, que vous collez, vous retournez, vous savez plus dans quel sens vous avez démarré, prenez le temps de regarder l'orientation des maillons. Et pour ça, je vous invite à regarder tout simplement le rendu avec la peinture où vous avez le sens, les vagues en fait des maillons sur lesquels vous devez vous baser pour éviter de vous tromper. Et encore une fois, à l'extérieur, c'est les boulons creux, à l'intérieur, c'est les boulons pleins. Ça, c'est hyper, hyper important, c'est vraiment une partie très très difficile. Au niveau du câble, donc c'est une petite ficelle, il me reste encore un bout ici. Pas de difficulté particulière. Coller aussi à la glu pour les extrémités ici qui se collent sur le tank. Vous avez plusieurs variantes, encore une fois, au niveau du canon, si vous voulez le mettre en exposition ou pas. Le mettre de manière statique, pardon. Et enfin les armes, et il y a différentes munitions aussi. Je ne les ai pas toutes utilisées. Il m'en reste un petit peu, je vous les montrerai juste après. Et au niveau des roulements, vous avez plusieurs variantes. Donc ça, c'est les roulements avant. Il existe plusieurs variantes sur les Sherman. Après, vous faites vraiment ce que vous voulez. Voilà, il y en a plusieurs de plusieurs types. Donc au niveau des chenilles, juste pour y revenir rapidement, voilà, ça c'est les quatre grappes. Ça c'est les quatre grappes qui vous servent à réaliser les chenilles. Vous avez énormément de pièces, rien que pour les chenilles, donc ça c'est beaucoup de temps. Comptez un quart d'heure pour ce genre de longueur. Donc c'est beaucoup de temps de passer, mais bon, ça fait aussi partie du plaisir, du challenge de cette maquette. Au niveau des armes, il m'en reste pas mal. Il reste des boîtes de munitions, des boîtes d'huile et d'essence à réaliser. Donc ça, vous pouvez les réaliser après sans problème. Et voilà, le reste, je ne vais pas m'attarder dessus, étant donné que le tank est déjà terminé. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà le résultat final. Voilà le Easy Aid de chez Refill Model. Donc, je suis parti encore une fois sur la variante avec la peinture simple. Pas de camouflage, pas la version Fury qu'on connaît. Mais c'est suffisant pour démarrer. Comme je le disais, au niveau des photos découpes, l'une des difficultés, c'est ce genre de pièce ici que vous devez courber, coller. Là, vous voyez, ça s'est un petit peu décalé. Utilisez les bonnes colles pour ce genre de pièces, c'est vraiment important de prendre son temps. Au niveau des décalcomanies, j'en parlerai tout à l'heure pendant la partie peinture, mais c'est vrai que j'ai pas utilisé de vernis. Étant donné que je démarrais, j'ai pas trop creusé ce sujet-là, mais c'est vraiment indispensable. Je vous en parle un peu plus en détail.
Vous avez les différents outils, quelques accessoires que vous pouvez mettre. Donc le tout après peut se bouger, hein. Vous pouvez mettre votre tank un peu dans la position que vous voulez. Là, la peinture a un petit peu collé le fusil mitrailleur sur le dessus, mais vous pouvez aussi le positionner comme vous voulez, sans aucun problème. Au niveau des chenilles, donc c'est un rendu qui est vraiment sympa, hein. Donc la chenille est souple, comme vous voyez. Elle peut tourner, hein, si vous voulez la faire tourner, il n'y a aucun souci. Donc à partir du moment où vous mettez après de la boue et du vieillissement, là par contre, ça a commencé un petit peu à se bloquer, donc faut faire très attention à pas casser les pièces et à abîmer aussi la peinture. Donc voilà pour le rendu. J'espère que vous voyez bien. Je vous la montrerai un petit peu par-dessus ici. Voilà. Donc au niveau du vieillissement, j'en parle juste après. Je suis pas allé très loin, je suis vraiment sur quelques pigments pour faire un effet boue. Alors au niveau des peintures, je vais commencer avec la couleur de base. Donc au niveau de la couleur de base et la peinture globale du blindé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours mettre une première couche. Donc cette couleur de base est hyper importante. C'est celle qui va vous permettre de mieux accrocher la peinture, notamment si vous faites de l'aérographe juste après, c'est vraiment l'idéal. C'est vraiment indispensable. Et pour ça, moi j'ai utilisé le Surface Primer de chez Valero, le 608 USA Olive Drab, qui se rapproche justement du rendu final au niveau de la couleur. Donc on est sur pareil, c'est cette couleur vert kaki propre au blindé américain. Et ça permet d'avoir une couleur déjà unifiée au niveau du blindé. Et bien sûr, c'est dilué avec un diluant de chez Valero. Alors moi j'utilise le Airbrush Thinner, vous en avez d'autres aussi chez Tamiya et d'autres marques. Celui-là en tout cas, il fait vraiment l'affaire, que vous peignez à l'aérographe ou même au pinceau. Je vous conseille ce genre de diluant, c'est vraiment l'idéal. Pour la couleur du blindé, donc j'ai utilisé pareil, un Olive Drab, donc un US Army Tank de chez Mister Hobby, qui permet d'avoir cette couleur finale. Donc là-dessus, j'ai mis, il me semble que j'ai mis deux couches pour être sûr de bien couvrir le blindé. Et pour la bâche, j'ai utilisé toujours chez Mister Hobby. J'ai utilisé la H81, donc couleur kaki ou uniforme britannique, qui donne un vert un peu plus clair ici. Alors au niveau des feux, alors un blindé, ça a effectivement des phares avant et arrière. Je vais essayer de vous les montrer ici. Voilà, on les voit un petit peu en argenté là. Voilà, de chaque côté. Et vous avez également les feux arrière qu'on peut distinguer aussi à gauche. Et à droite, ils sont un petit peu brillants, translucides. Et donc pour les phares avant, j'ai utilisé chez Prince Auguste. Alors Prince Auguste, c'est Valero, hein. C'est juste que Valero vend sous d'autres noms en fait leur marque. Donc j'ai utilisé la 997, donc la référence couleur argent pour les phares avant. Et pour les phares arrière, j'ai utilisé du Clear Red X27 de chez Tamiya. Excellente peinture, rien à redire. Vous n'êtes pas forcément obligé de la diluer, ça c'est vous qui voyez si vous faites en une couche ou en deux très fines. Une chose que j'ai pas faite au niveau de mon blindé, notamment avant de coller les décalcomanies, c'est en fait de poser un vernis dessus. Parce que quand vous posez vos décalcomanies, vous allez avoir un petit reflet du plastique en fait, de l'autocollant. Je m'explique, quand vous regardez un petit peu le blindé comme ça, à la lumière, là où vous voyez un paper doll, ben en fait il y a des petits reflets et ça vous pouvez les éviter en passant une couche de vernis brillant avant les décalcomanies et en passant une juste après. Ça va vraiment unifier l'aplat de votre décalcomanie et éviter en fait ces petits reflets qui donnent pas une qualité terrible. Pour ça, vous avez les vernis toujours chez Valero, donc le gloss varnish, donc qui veut dire vernis brillant. Donc ça c'est celui qu'on pose généralement sur l'ensemble de la coque du blindé, avant et après la décalcomanie, donc deux couches. Et sur le rendu final, certains posent, alors c'est pas obligatoire du tout, j'ai pas encore testé, donc prudence, vous posez un vernis mat pour unifier et protéger votre modèle. Ça c'est vraiment à la fin. Mais encore une fois, j'ai pas testé, donc voilà, c'est surtout ce que j'ai vu. Donc prenez votre temps, testez sur certaines.
certaines parties, certains morceaux de plastique pour voir à quoi ça ressemble en fait. Ça, c'est vraiment important. Au niveau des roues, donc les roues, elles sont aussi en USA Olive Drab, donc c'est la même couleur, la même primaire. Et au niveau des couleurs pneumatiques, j'ai mélangé le noir de chez Valero, donc le 950 Black, avec le Dark Trax de chez MIG, donc le MIG 035. Une super couleur pour vos couleurs de chenille comme ce type de modèle. J'ai mélangé les deux, ça a permis d'avoir un noir pas trop prononcé, vraiment qui tire vers ce côté pneu qui est pas très fort en puissance de couleur côté pigmentation. Au niveau des chenilles, un truc que j'ai oublié, et ça c'est l'erreur du débutant, c'est j'ai pas mis de primaire sur les chenilles. Donc là, elle rentre bien parce que j'ai fait en fait un vieillissement. Et du coup, c'est pas trop grave parce que ça a permis d'ajouter de la couche de boue, etc. Mais pendant la pose de la peinture, qui était les Dark Tracks au niveau de la chenille, donc cette référence-là, ça a été un petit peu la catastrophe. Même avec deux couches, ça commençait un petit peu à se décoller. Donc là, faites très attention. Posez toujours un primer. Et pour celui-ci, je vous conseille aussi la couleur noire du primer 602 de chez Valero. Ça va vous donner une très bonne base pour travailler ensuite vos couleurs. Au niveau des accessoires, donc pour ce qui est ici des outils, donc au niveau des pelles, des haches, etc. Là, ça dépend. Certains vont partir sur un bois très clair, d'autres sur un bois assez foncé. Moi, j'ai utilisé du flat brown de chez Tamiya. Donc c'est le XF10. Très bonne couleur, bien diluée en deux couches, ça donne un bon résultat. Et pour la partie noire de l'outil, alors ça existe, hein, il y a certains outils qui sont un peu en noir métallique. J'ai fait un mélange avec la couleur noire de chez Valero, donc la 950. Et je l'ai mélangé avec un peu de Metal Black de chez Mister Hobby, toujours la H28. C'est une couleur qui vous aide aussi à peindre. Justement les armes sur le blindé. Donc ça donne une bonne couleur métallique. Je vais me rapprocher un petit peu. Voilà, donc ça pour les armes, ça c'est du metal black. Pensez à bien diluer parce que ça peut faire des gros pâtés. Donc ça faut faire un peu gaffe. Donc le câble que vous voyez sur toute la hauteur du blindé ici, c'est peint avec du metal black également. Et pour le vieillissement, j'ai utilisé du light rust wash, donc c'est du ce qu'ils appellent enamel wash. Donc faut faire attention parce que ça va attaquer un petit peu votre peinture acrylique. Faut pas en mettre trop. Vous pouvez diluer aussi votre jus, votre wash, pour justement éviter que ça attaque trop la peinture. Mais ça a donné un câble métallique un petit peu oxydé et c'est vraiment parfait en rendu. Je sais pas si vous allez voir si je rapproche le blindé. Voilà, on a un rendu au niveau du câble qui est assez sympa. Au niveau du vieillissement du blindé, je ne suis pas allé très loin. J'ai pas fait de ce qu'on appelle du chipping, qui permet en fait d'avoir des petits éclats de métal sur l'ensemble de votre coque du blindé. Ça ajoute beaucoup de réalisme. Vous pouvez aussi faire des petits aplats de rouille, de la peinture qui s'est abîmée, etc. Quand vous démarrez, prenez votre temps, votre premier blindé, faites déjà une bonne peinture. Rajouter un petit peu de pigment sur l'ensemble du char, ça va être suffisant. Là, c'est ce que j'ai fait. Au niveau du char, en fait, j'ai rajouté différents pigments mélangés avec du Airbrush Thinner, toujours. J'ai mélangé des pigments de chez Valero. Donc vous pouvez acheter ça en pack. Il y a un pack de 4 qui existe avec 4 couleurs. Donc une couleur noire oxyde. Une couleur ocre, une couleur blanche, vous pouvez utiliser sur des tanks en plein désert, et une couleur plutôt brune marron. Ces quatre pigments-là, vous pouvez les mélanger, les varier, vous en mettez très peu parce que ça peut faire des amas de pigments, après c'est pas très beau. Et en fait, au niveau du blindé, vous allez pouvoir mélanger ça avec le Airbrush Thinner que vous avez vu. Et en fait, ça va permettre de donner un rendu. Vous allez peut-être mieux le voir en vidéo et en photo, légèrement poussiéreux. L'idée, c'était de faire quelques traînées de poussière juste après la pluie, étant donné que le bas est assez boueux. L'idée, c'était d'avoir un blindé
qui avait traversé des chemins un peu humides en Normandie, et justement avoir ce côté un peu de terre qui est resté sur le tank. Au niveau ici de la sortie moteur qui est un petit peu foncée, j'avais commencé par utiliser cet effet de chez Valero Engine en acrylique. Donc ça va pas attaquer la peinture, c'est très léger. Donc c'est la 817 Petrol Spills qui vous permet de faire en fait des traînées d'huile moteur. C'était pas assez prononcé en couleur, du coup je suis reparti sur le pigment noir oxyde, ce qui m'a permis d'avoir un rendu un peu plus prononcé ici au niveau de la sortie moteur. Donc là pareil, hein, faites des tests pour voir un peu à quoi ça ressemble. Ensuite pour les chenilles et notamment l'aspect boue, j'ai utilisé trois références différentes. La première que j'applique, c'est généralement la EV Mud. Donc ils appellent ça aussi Wet Mud chez MIG, donc c'est la 1705. Et donc voilà, ça va permettre d'avoir un premier rendu, une première couche d'humidité au niveau de la boue. Si vous voulez faire des éclaboussures, vous avez le Loose Ground de chez MIG, donc la 1752, qui s'appelle aussi Splashes. Et là, c'est assez sympa parce que ça vous permet en fait sur votre blindé, juste ici à l'arrière, je ne sais pas si on va bien voir, au pire, je vous remettrai la vidéo par-dessus. Ça vous permet de faire des éclaboussures de quelques gouttes en fait de boue qui aurait pu aller sur la carlingue du blindé. Et j'ai mélangé avec le Tick Mud en acrylique aussi. Et donc c'est une petite pâte. Je pense pas qu'on va bien voir ici. Là, on va mieux voir sur cette caméra-là. Voilà, c'est une pâte qui au séchage devient vraiment dure. Et vous pouvez en appliquer pour faire les effets de terre. Donc c'est les effets que vous voyez sur les chenilles à l'arrière par exemple. Voilà, ça vous permet d'avoir des effets assez sympas. Là vous pouvez voir les différentes éclaboussures dont je parlais juste avant. Et l'idée c'est d'en mettre pas trop non plus. Au début on se dit tiens c'est sympa, ça donne un super rendu. Ayez pas trop la main lourde, sinon ça peut faire des résultats un peu catastrophiques. Donc voilà, ces trois produits-là, je vous les conseille, c'est des super références si vous voulez vieillir vos blindés ou même faire vos dioramas. J'en reparlerai dans une autre vidéo sur le diorama Normandie que j'ai fait, mais c'est ce type de référence-là que j'ai utilisé. Enfin, petit détail pour les chenilles, j'ai aussi utilisé la Light Rust pour l'effet rouille sur les chenilles, qui se voit très peu. On le voit un petit peu sur les côtés du blindé, et ici... Vous voyez, sur les côtés de la chenille, on voit un peu cet effet rouille, un petit peu oxydé du métal. Et également, pour faire les éclats métalliques des chenilles un petit peu usées suite à leur roulement. Donc là, il y a un petit effet brillant sur les chenilles. Ça, pour ça, je vous invite à utiliser des pigments pareil métal, donc gunmetal. Vous en mettez un petit peu sur votre pouce, vous essuyez un petit peu et ça va vous donner ce rendu un petit peu à couleur graphite brillant. Et ça donne un super résultat. Voilà, c'est terminé pour l'explication de la peinture et du vieillissement. Je vous retrouve très bientôt avec une vidéo qui va justement résumer ces différentes étapes de peinture, de vieillissement, les différentes astuces que j'ai pu utiliser. D'ici là, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou poser vos questions. Aimez et partagez cette vidéo autour de vous. Encore une fois, l'objectif de Mini Army, c'est débuter dans le modélisme, vous présenter les différentes difficultés, les astuces qu'il faut savoir pour ne pas se tromper, utiliser les bonnes peintures, le bon matériel pour pouvoir réaliser des maquettes de très bonne qualité avec un rendu final très acceptable. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Mini Army.